Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous propose d'apprendre à réaliser des bobèches qui serviront à placer correctement vos boutures. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'argile autodurcissante, d'un rouleau à pâtisserie, de bocaux en verre, de peinture acrylique, des pinceaux et enfin du vernis transparent. Commencez par malaxer l'argile dans vos mains pour le rendre plus souple, puis aplatissez-le à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je vous conseille de l'aplatir sur du papier cuisson, comme ça ce sera plus pratique. Pour faire une forme bien ronde, aidez-vous d'un bocal en verre. Ensuite, vous pourrez encore aplatir l'argile pour être sûr que la bobèche soit plus grande que le bocal. Ensuite, il va falloir faire un trou au milieu de votre bobèche pour faire passer vos boutures plus tard. Donc pour ça, je me suis aidée d'un petit capuchon, mais vous pouvez aussi vous servir d'un couteau. Une fois que toutes vos formes sont faites, il faut laisser sécher votre argile pendant 24 ou 48 heures en fonction de l'épaisseur que vous leur avez donnée. On passe ensuite à la partie un peu plus créative où il va falloir décorer vos bobèches. Alors moi j'ai choisi trois couleurs, le blanc, le vert et le cuivre. J'ai décidé de faire une bobèche avec des motifs végétaux et pour les deux autres, j'ai laissé parler ma créativité. Et voilà le résultat, vous voyez c'est assez simple à faire, c'est une activité qu'on peut très bien faire avec des enfants. Veillez juste à ce qu'ils manipulent délicatement les bobèches puisque ça reste tout de même assez fragile. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt dans un prochain tuto.